On y va. 126, le verset 1. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole. Je me disais peut-être ça a dit plus en grec. Donc j'étais en train de lui dire que c'est la même version. Or, ce qu'il dit hier, pour moi, c'est du même. Allez, c'est 126, le verset 1. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. We were like those who dream. Vous savez, cette histoire, le peuple d'Israël est amené en captivité quelque part dans une nation. You know, the people of les gens sont restés en train de prier. Ils ont commencé à prier l'Éternel. Ils ont commencé à invoquer le Dieu d'Israël. Et lorsqu'ils ont vu la délivrance, dans la vraie version, ils disent, voilà que Dieu vient d'accomplir notre rêve. Et la vraie version dit, voilà que Dieu vient d'accomplir notre rêve. Quand ils ont vu les captifs venir en Israël, c'était l'accomplissement de leur rêve. Amen. They noticed that it was the accomplishment of their dream. Et quand ils ont vu cette délivrance, ils ont dit, voilà, que Dieu vient d'accomplir notre rêve. The accomplishment of God. Nous allons voir l'exemple de ceux qui ont eu un rêve. Nous prenons la vie de Joseph. Nous prenons le livre de Genèse. Genèse. Le chapitre 37, à partir du verset 4 à 27. Genèse, le verset 4, 37, le verset 4 à 27. Genèse 37. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Mais Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères, qui le haïssent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés à des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dit, est-ce que tu règnes là sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. And he told it to his brothers. Il dit, saying, j'ai encore un songe. Look, I have another dream. Et voici le soleil. The sun, la lune, the moon, et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. And 11 stars were bowing down to me. Il le raconta à son père et à ses frères. But he told to his father and to his brother. Son père le réprimanda et lui dit. His father rebuked him. Que signifie ce son que tu as eu? And said to him, what kind of dream is this that you have had? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Shall we indeed come, I and your brothers and your brothers, sisters? Ses frères eurent de l'envie contre lui. And bowed to the ground before you. Mais son père garda le souvenir de ces choses. So his brothers were jealous of him. His father kept the matter in his frères de Joseph étant allés à Shechem pour faire perdre le troupeau de leur père. Now his brothers went to pasture their father's flock near Shechem. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Shechem? And Israel said to Joseph, are not your brothers pasturing the flock at Shechem? Je vais t'envoyer vers eux.
Come, I will send you to them. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de sa tunique de plusieurs couleurs qu'il avait en lui, sur lui plutôt. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the long robe with sleeves that he wore. Il le prit et le jetait dans la citerne. And they took him and threw him into the pit. Cette citerne était vide. The pit was empty. Il n'y avait point d'eau. There was no water. Il s'assit ensuite pour manger. Then they sat down to eat. Ayant levé les yeux, and looking up, they saw. Il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galat. A caravan of Ismaélites. Leurs chevaux étaient chargés d'aromates, de porc et de mites. Coming from Galat with the transportés en Égypte. Carrying grams, balms and raisins. Alors Judas dit à ses frères. Then Judas said to his brothers. Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? What profit is it if we kill our brothers and conceal his blood? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui. Come, car il est notre frère, to notre chair. Le verset 28, c'est ça? Verse 28. Au passage des marchands madianites, il tirait et fit remonter Joseph hors de la citerne. Et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenaient en Égypte. Amen. 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 Voilà, que Dieu bénisse. May God bless you. Nous sommes en train de parler de l'accomplissement des rêves. We are speaking about the accomplishment of a dream. C'est ce à quoi nous aspirons. C'est l'aspiration de chacun d'entre nous. What our objective is. Il faudrait que le rêve devienne une vision. Our dream must be a vision. La vision, c'est quelque chose qu'on projette dans le futur. It's like something we predict. Alléluia. Mais regardez l'exemple de quelqu'un à qui Dieu a donné une vision. It's like the example of a man that God has given a vision. Dans d'autres versions, on parle de vision. Moi, je prends l'aspect vision. À qui Dieu a donné une vision de ce qui devait être dans le futur. Amen. Amen. Ce qui était dans le futur. Vous voyez, Dieu, avant que Dieu ne bénisse une personne, il y a quelque chose qui va proposer dans ton cœur. You have to do something first. C'est pour ça que l'habilité à tes résolutions répondra le succès. C'est ce que tu as besoin. The success must come before through your resolutions. Et l'habilité fait des dons et des dons. C'est donner ce que ton cœur désire. Vous comprenez ce que ton cœur désire. Whatever you want. Oh, voici quelqu'un à qui Dieu s'est révélé du nom de Joseph. Dieu lui montre une vision. God was showing him a vision. Et dans la vision, c'est que ce Joseph là devait être élevé au-dessus de ses frères. C'était la signification même de cette vision. Il a eu une vision. Oh, regardez l'attitude de Joseph. Joseph a eu la vision, il n'a pas fermé sa bouche. Il avait tellement confiance à ses frères, même à son père, il a partagé la vision, cette vision à ses frères. Or, quand on a une vision, on la partage pas avec n'importe qui. We don't share it with anyone. On partage cette vision avec une personne qui peut nous aider. We share the vision with the one who can be able to help us. Tu as quelque chose, c'est en toi. Tu as quelque chose en toi qui aimerait que ça s'accomplisse. You have an objective to reach. Tu as quelque chose en toi. Amen. Amen. C'est ça. Le problème de Joseph, il faisait confiance aux gens. Amen. The problem of Joseph, qu'il a partagé cette vision. Mais regardez le problème qu'il a eu. Look at the problem here. Il a commencé à parler de ça. When he started speaking about it, il y a eu la jalousie. Jalousie. Oh. Derrière la jalousie, il y a une pratique. Behind jealousy, oh, la sorcellerie, c'est là de la nuisance, la destruction. And you know that witchcraft comme il a une vision, I mean, the fact of destruction. Quand détruit le monsieur, le porteur de vision. What you have to do is to destroy the man who has comme got a vision. Comme il a une vision très importante d'élévation, il faut le détruire. Or, and simply because he's about to destroy, you have to destroy him. Si vous avez une vision, if you have a vision, vous ne devez pas partager if you have a dream, don't share it with anyone. Ne partagez jamais un projet à une personne qui ne va vous aider. Don't share. Ne partagez jamais your ambition with someone who cannot be able to help you. Oh, quand vous commencez à partager une vision à quelqu'un, when you share your vision, qui vous décourage, with someone who is about to discourage you,
You have to go far from that person. Amen. Amen. Séparez-vous de cette personne. Go far from this person. Alléluia. Amen. Si vous partagez une vision, un projet à quelqu'un, vous partagez cette vision with someone, et la personne ne vous encourage pas, and that person does not encourage you, vous dit ça va aller, to say, vous dites non, mais everything will be okay. Tu vas enlever l'argent où? Where are you going to have the money? Toi, comme ça, tu peux te marier. Can you get married? Tu penses que tu peux être guéri de cette maladie? Can you be cured from that sickness? Ne vous approchez plus de cette personne. Don't go near. Don't come near that person. Ne vous approchez plus de cette personne. Or, quand il y a une vision, nous devons nous approcher de la personne qui peut nous aider. We have to go near someone who can help you. Qui peut nous encourager. Aller jusqu'au bout. Someone who can encourage us. Or, Joseph avait foi à ses frères. But Joseph believed in his father. His father. Il a partagé cette révélation. He shared the vision, the revelation. Il a eu des problèmes. And he had problems. C'est ça le problème. That's la même chose. The same thing. Jésus l'a vécu. Jesus. Les mages ont eu les doigts de Jésus. Lived it in the past time. Ils sont allés partager ça à un certain héros. Il y a des choses qu'on ne doit pas partager autour de nous. Il y a des choses qu'il faut cacher. Faut garder ça jalousement. We don't have to share many things to. J'ai un projet de faire le voyage de la Côte d'Ivoire à l'extérieur pour envoyer des affaires. Il faut partager ça avec toi. Si tu as un projet d'élévation, tu as même un projet de mariage, ne partage pas avec toi. Don't share your visions. Quand j'ai eu la révélation que l'étoile qui venait de briller appartenait à un grand roi. When they had the revelation that the star that was shining belonged to a king, they said, we just come to see the star of the king. And when you read the Bible, amen. It was troubled. When you share your vision, your objective, when you share your vision, your objective, when you share your ambition with someone and it does not encourage you, this person, if that person is not happy, it means he's suffering. Yes, something is happening. He doesn't want you to be blessed. That's why you don't have to work too well. If you want to have friends, work with those who can work with you. Those who believe in you. Si vous marchez avec une personne qui vous rappelle toujours votre passé, qui vous rappelle toujours vos faiblesses, éloignez-vous de cette personne. Amen. On peut même tomber. Don't even work with those. Se relever à l'esprit, être meilleur demain. We spend our time talking about the past. Or, si vous marchez une personne qui ne croit pas en vous, even speaking about your weakness, vous avez beau l'expliquer ce qui est bien dans le futur, elle ne va jamais vous encourager. And this person can la never personne encourage vous ramène toujours le passé. Or, vous n'avez plus besoin de ce qui est passé, on a dit passé. You don't even in the past. Vous avez une vision. Your vision des choses qui vont is the future. C'est ce qui vous regardez. That's what. Or, les gens qui ne voient pas la même manière que toi, those who don't see the same things like you, vont te faire voir les choses du passé. Or, toi, tu n'as plus besoin du passé, tu as besoin de ce qui vient des bons. I was linked with the past. Amen. Tell them to see the future. Ne partagez jamais. Don't share. Les choses qui sont importantes dans votre cœur. The important things in your life with those different persons. Amen. Sois allé voir Hérode. Et l'homme était troublé. Si vous causez à une personne un projet, the road will troubled, et que la personne, ça n'édifie pas la personne, éloignez-vous de cette personne. Éloignez-vous de cette personne. Vous parlez d'un projet, vous avez eu l'argent, vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin de chacune. Ne vous encourage pas. Blessing from God. And your neighbor does not encourage you. Okay. Even doesn't say something. Or, quand vous partagez une vision à quelqu'un qui dit ça va aller. But if you share a vision with someone and that person can be able to say, yeah, everything will be okay. Stay together. C'était le problème de Joseph. Il croyait tellement ses parents. He believed too much in his parents. Mais est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu. Pourquoi? But it was so. Pas l'accomplissement de cette vision. Because he didn't receive the accomplishment of his vision.
Il ne voulait pas l'accomplissement de ce rêve. Didn't want the accomplishment. Il ne voulait pas voir Dieu élevé au-dessus de deux. Ils l'ont livré. It was. Oh, quand on a une vision, on a aussi des ennemis de cette vision. Even we can have enemies when si we have Dieu vous donne une vision, if il y aura des vision, gens qui vont vous combattre. People will fight you. La chose arriva à Néhémie. Lorsque Dieu a mis à cœur Néhémie d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem, when he was about to rebuild, lorsqu'il partait rebâtir les murailles de Jérusalem, Jerusalem, il a eu des ennemis qui l'ont combattu. He got enemies. Il y a eu Tobija. Nous prenons la parole de Dieu. Nous prenons la parole. Nous prenons Néhémie, le chapitre 2. Chapitre 2, verset 7. J'espère qu'on ne dort pas. Si je prêche, tu dors, c'est qu'il y a un démon de sorcellerie en toi. Vas-y, la nuit est faite pour dormir. Tu t'entends de dormir. C'est qu'il t'a pas dormi la nuit, tu t'es envolé. Il y a des gens qui font beaucoup d'autres vies. Pendant que l'on dort, ils travaillent. C'est des vigies de nuit. Soupeurs. Mais ils travaillent la nuit. Néhémie le chapitre 2. Combien il n'y a pas Néhémie dans vos vies? Néhémie chapitre 2. Allons-y. Depuis j'ai dit au roi, si le roi le trouve bon, commettons des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaj, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la scie. Alors, le verset 17. Il leur dit encore. Then I said to them, vous voyez le malheur était où nous sommes. You see the trouble. Jérusalem est détruite. Et ses portes sont consumées par le feu. Our Jerusalem lies in ruins with a. Venez, it's get burned. Rebâtissons les murailles de Jérusalem. Come, let us rebuild the walls of Jerusalem. Et nous ne serons plus dans la preuve. So that we may no longer suffer. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. I told them that the hand of my God had been gracious upon me. Et quelle parole le roi m'avait adressé. And also the words that the king had spoken to me. Levons-nous. Then they said, et partissons. Let us start rebuilding. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. So they committed themselves to the common good. S'emballa le Horonite. But when Tobija, the Romans, les serviteurs, and Tobia, Ammonique, the Ammonite official, et Geshem, and Geshem, en ayant été informés, and Geshem, se moquaient de nous et nous méprisaient. And Geshem, the Arab, il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu de mes cieux nous donnera le succès. Amen. And the God of heaven is the one who will give us success. Ses serviteurs, nous nous leverons et nous partirons. And we, his servants, are going to vous n'avez ni part, building, ni droit, but you, ni souvenir dans Jérusalem. Have no share or claims of historic right in Jerusalem. Lorsque Dieu a mis un Néhémie, lorsque Néhémie a entendu que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, Dieu met à cœur à Néhémie d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Il s'entourait avec des hommes qui voyaient la même année que lui. Et d'autres personnes, des étrangers, avaient reçu l'information, ont commencé à décourager Néhémie. Les Tabala, Tobija ont commencé à le décourager. Or, il avait aussi une équipe avec lui. Il dit, c'est vrai, c'est parce que vous ne vous sentez pas dans cette vision. Mais nous nous lèverons pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Amen. Amen. Ça vous dit, quand vous avez une vision, vous aurez aussi des ennemis, des personnes qui combattront cette vision. C'est cela qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas partager une vision avec n'importe qui. Don't share your visions, objectives, your visions with people. Avant de partager une vision, il faut être convaincu que cette personne est avec toi. Amen.
et que pourra t'aider jusqu'au bout. If you want to do it, be convinced that this person can be with you. L'information qu'on peut détruire ou mettre construire quelque chose. People, because people can destroy or build something through information. Tu as un rêve. You have a dream. Tu veux l'accomplissement de ce rêve. You want the accomplishment of this dream. Attention, il y a aussi des ennemis de ce rêve. Pay attention. Enemies around you. C'est parce qu'ils ne savent pas où est arrivé le projet. Sinon, cela ils te guettent. Enemies. C'est pour ça que la discrétion est beaucoup importante. Amen. 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 Alléluia. Amen. La discrétion est beaucoup importante. Amen. Vous voulez l'accomplissement? Faites très attention. Parce que même autour, you have to pay attention. Il y a des personnes qui ne croient même pas en vous. Because some people around you even doesn't believe in you. Ils ont vu que il y a quelque chose d'important. Mais comme ils n'ont pas une information, ils regardent les choses faire. Quand vous allez commencer à les balancer des informations, ces mêmes personnes se retrouveront contre vous. And as soon as we'll get the information, they could become your enemies. Faites très attention. Pay attention. Pour l'accomplissement des rêves. For the accomplishment of your dreams. Il y a aussi des ennemis de ce rêve. Amen. 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 Ça nécessite la discrétion. Normalement, la discrétion est importante. You have to be quiet. Amen. Normalement, la discrétion est importante. Il y a des choses qu'on ne doit pas partager à moi aux gens. Parce qu'ils ne pourront pas t'aider. You don't need to speak to anyone. On partage une vision d'une façon qui peut nous aider. Faites très attention. Alléluia. Tu es content parce que tu as une vision. Tu es content parce que tu as une vision. You're happy because you have a vision. Mais c'est pas tout le monde qui t'aime. But don't speak about your vision. Parce que il risque. Don't say your vision to everybody. Ils savent qu'il y a quelque chose de fort en toi. Mais ça pas comment détruire. C'est ça qui fait très attention. So you have to pay attention. Quand tu marches avec une personne, c'est que vous avez la même vision. When you work with someone, means you have the same vision. Amen. Amen. Si vous n'avez pas la même vision, if you don't have the same vision, d'avancer. It will be difficult. Ne marche jamais avec une personne. Don't stay with someone. Il ne pourra pas t'aider. Who cannot be able to help you. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Si tu veux voir ton rêve se réaliser, if you want your dream come true, dans un premier temps, il faut t'entourer avec des personnes qui peuvent t'aider. People around you must people who can be able to help you. Deuxièmement, ne fais pas comme Joseph. Secondly, don't do like Joseph. Quelqu'un qui essaie de parler. Speaking. Tu as vu quelqu'un aujourd'hui qui t'a dit va te marier, tout le village au courant. Even today you have an information of your wedding today. Tout le village is informed. Tellement qu'il dit pas, il y a des gens qui parlent. Because speaking. Everything. Quand tu l'appelles, Orange, bonjour, où on correspond et prépare du joint. Il se repose. Là, c'est le matin. À midi, j'ai comme Orange te dit, ça va, et le jeudi, tu veux plus. La discrétion. Amen. Est-ce qu'on m'a saisi? La discrétion. C'est quand ils ont oublié Joseph. Eux, leur objectif, c'était de le tuer. Ils voulaient le tuer. Their objective was to kill. Le rêve. Go away from someone who cannot believe in you. Elle vous fera jamais avancer. Mais elle va vous faire révéler vos faiblesses. Elle vous dira because que non. He cannot permit you to go ahead. Amen. Amen. Dis amen. Je sais amen. Si vous voulez aller très loin, vous avez une vision, marchez avec ces personnes qui peuvent vous aider. Stay with those who can help you. Amen. Amen. C'est quelque chose que je suis en train de préparer sur deux dimanches, trois dimanches, parce qu'il faudrait que vous ayez un rêve. I want you to have a dream. Quelles que soient les attaques de la sorcellerie, ils vont vous détruire. Or, what are the, quand on a the attacks of witchcraft? Il y a ce qu'on appelle la persévérance qui se pose à nous. Quand on a un rêve, on fait tout pour accomplir ce rêve. When we on have a dream, we have pas. To do everything. Or, quand c'est pas un rêve, on se décourage. Don't be discouraged. Qu'est-ce qu'il y a en toi? You have to reach your objective. What is in you? C'est ce qu'il y a en toi, la que Dieu prendra pour te bénir. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Tu aspires à quoi? What are you looking for? Qu'est-ce que tu veux être demain?
What will you be tomorrow? Ils sont là, ils savent pas. Ils vivent le jour. Ils se lèvent un matin, se bronzent, ils ne savent pas. Oh, il faut avoir un rêve. Il faut avoir une vision. C'est à partir de ça que Dieu est béni. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a en toi? What is in you? Moi, je sais où je m'en vais. I know where I'm going. Dans 2 ans, 3 ans, je sais ce que je vais atteindre. 2, 3 weeks, through. Je sais ce que je vais atteindre. Qu'est-ce qu'il y a? 3 years, I know where I'm going. Quelles que soient les attaques, je persévère. What are the attacks? Je me dis, je vais atteindre ça. Oh, I just say, I have to reach my objective. Quand on a une vision, when you have a dream, you are attacked. When you have a vision, even you are attacked. Alléluia. On dit amen. Amen. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, if you don't know what you want, un certain Jacob viendra vous prendre ça. Amen. Jacob will come. Si vous ne connaissez pas l'importance de ce qui est en vous, if you don't know the importance of what is in you, vous allez voir Jacob vous ravir ça. Jacob will come and take it. Amen. Amen. Isaac a eu 2 enfants. Isaac, il y a eu Esaü. Esaü. Il y a eu Jacob. And Jacob. Oh, Esaü était l'aîné. Esaü was the elder one. C'est lui. The one. Qui bénéficier de la prophétie, la bénédiction prophétique. Who could be, who could get, I mean, the spiritual power. Lui, il a banalisé, il a banalisé ça. He didn't take it seriously. Il a joué à ça. Or, celui qui était à côté connaissait l'importance du droit d'aînesse. And the other one knew the, it's important. Si vous ne connaissez pas ce qui importe, ce qui est en vous, vous pas. If you don't know what is important in you, le diable viendra détruire. The devil will come and destroy. Qu'est-ce qu'il y a? What is in you? Qu'est-ce qu'il y a? Il connaissait même pas. C'est-à-dire, il a banalisé la chose. Jacob est venu prendre la chose. Il dit aujourd'hui là. He didn't know its importance. Ce que tu as. But when Jacob came, donne-moi ça. Et Esaü a vendu son droit de naissance à Jacob. Et les choses ont changé. And he took it from. Or, quand on a un rêve, personne ne peut détruire ce rêve. C'est un rêve. Nobody can destroy your dream. Frère, qu'est-ce qu'il y a en toi? What is in you? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux devenir demain? What do you want to become tomorrow? Alléluia. Quelles que soient les attaques du diable, what about the attacks of the devil? Tu ne vas jamais abandonner. You never have to give up. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a en toi? What is in you? Et quand on commence déjà à avoir un rêve, une vision, and when we start having a dream, immédiatement il faut attendre les attaques. We must be ready for attacks. Et la chaîne que nous devons avoir, c'est de faire tout pour marcher les gens qui nous comprennent. And what we have to do is to work with everyone who can be able to help us. Qui peut nous faire avancer? So that we can go ahead. Qui a un rêve ce matin? Who's got a dream this morning? C'est pas pour aller se vendre à toi. Ça c'est pas un rêve. C'est un commerce que tu veux faire. Non. Tu veux faire vendre ta carrière pour l'eau. Ça c'est pas un rêve. Vous savez ce que la belle rêve? Do you know what the dream is? C'est pas pour la gagner pour. Non, je veux. It's not for selling too. Je veux l'argent pour la gagner. C'est pas rêve. Tu veux répondre à un besoin, faire commerce. Un rêve, c'est ce que tu veux devenir demain. A dream is what you are going to become tomorrow. Oui, je veux faire vendre la loco, un poisson. My dream is to sell this and that. C'est pas un rêve. That is not a dream. Amen. Amen. Tu vois demain. Yeah, what are you are going to be tomorrow? D'avoir l'argent, construire des maisons. Having money, building houses. J'ai un puissant ministère. Je suis and how a powerful ministry. Nation, nation. Nations, from nations to nations. De délivrer les gens. Delivering people. Aujourd'hui, je suis pas marié. Today, I'm not married. Si je suis marié, j'ai des enfants. Tomorrow, I'll get married, having children. Je n'ai pas d'enfants aujourd'hui, mais j'ai des enfants. Kids today. Je peux voir avec mon mari avec des enfants. C'est ça un rêve. Sinon, c'est pas pour aller faire plagalier pour l'eau, je suis désolé. On se tient debout. Qu'est-ce qu'il y a en toi? What is in you? Quel est ton rêve? What your dream is? Qu'est-ce que tu veux devenir demain? What do you want to become tomorrow? Quel est ton rêve? What do you want to nous allons tous lever les mains. Et nous allons prier le Seigneur. We all raise our hands. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Il a promis
d'être avec nous. Je m'approche à lui. Je m'approche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis. Show your vision to the Lord. Ouvre la bouche. Open the mouth and pray. Ouvre la bouche. Open the mouth and pray. Ouvre la bouche. Open your mouth and pray. Parle à ton Dieu ce matin. Speak to your God. Parle à ton Dieu ce matin. Speak to your God. Parle à ton Dieu ce matin. Speak to your God. Parle à ton Dieu. Speak to your God. Parle à ton Dieu ce matin. Speak to your God. Parle à ton Dieu. Speak to your God. Parle à ton Dieu. Speak. Parle à Jésus ton Père. Speak to Jesus. Show me your dream. Merci Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu. Thank you. Merci mon Dieu. Merci. Thank you, my God. Merci mon Dieu. Thank you, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Levez la main. Raise your hands up. La visite est faite des ténèbres et des lits, il donnera ce que ton cœur désire. Whenever you believe in God, he can give you whatever you want. Tes mains sont levées dans la présence de Dieu. Your hands up. In the presence of God. La main de Dieu vient jusqu'à toi. The hand of God comes to you. L'accomplissement de ton rêve. For the accomplishment of your dream. Dieu te touche maintenant. He touches you. Et la